Alors par exemple, votre voiture, elle est tombée en panne. Comment vous avez fait pour prendre rendez-vous? Ah bah je téléphone. Par téléphone ou on se déplace ici, quoi. On programme des rendez-vous, j'amène ma voiture, il me la prend et je la récupère quand elle est finie. Et vous avez jamais essayé de prendre rendez-vous sur Internet? Ah non. Non, pas encore. Parce que leur site est mal foutu, je suppose, non? C'est... Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Non, vous faites des efforts pour essayer de leur filer un rendez-vous le plus tôt possible. Oui, tout dans l'heure. Mais parfois, vous avez la flemme, quand même. Non. Vous êtes venu mercredi, ils vous ont dit, venez... Vendredi. Donc ils vous font quand même attendre 48 heures, plus les 10 minutes, là, ici, dans la queue. Bah, plus le temps que je perds avec vous, là, parce que ça serait à moi depuis un moment, là. En plus, il y a quelqu'un qui va passer devant moi. Un travail de plusieurs heures ne peut pas être planifié le matin pour la journée. Oubliez ça, attendez, bougez pas. Bonjour, je suis en direct avec André et sa femme. André qui est très mécontent de l'attente qu'il a subie lors de sa prise de rendez-vous. C'est bien ça? Non. Non.